Oh, du blues, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu des problèmes. Hein. Si vous savez ma vie, vous prendrez peur. J'ai brindé un peu partout, quand même. Et au final, c'est OK. Je suis mieux partir comme ça à la voiture. Hein. Un jour, je suis parti de ma voiture et je suis parti au Maroc pendant un mois. Je n'ai pas dépensé un centime au Maroc. J'ai vécu chez l'habitant. Il y a beaucoup de chèvres. Elles sont plus petites que les nôtres. Elles restent qui est toujours dans les arbres. Le retour, comme elles sont très jeunes, très petites, elles sont au sommet des arbres. Elles sont amenées comme elles font pour tenir là-dessus même. Comme des fruits sur les branches. Je te vois bien les chèvres. Allez. Allez, châtaigne. Tous les jours, je les sors. Je travaille le matin pour moi et l'après-midi, c'est les chèvres. Les chèvres, enfin les animaux. Des fois, je rentre, c'est 21h. Hein. Vers 16h jusqu'à 21h. Hein. Ça fait quand même pas mal déjà. Je rentre à la fraîche, disons. Elles écoutent, elles me suivent bien. Je connais leur nom. Je dis, j'ai pas à courir après. De toute façon, quand elles ont quelque chose à me dire, elles me le font comprendre. Hein. Ah oui, m'occuper des animaux, c'est... Il ne faut pas y toucher. Hein. Il n'y a pas que les chèvres, tous les animaux. Il faut les sauver de leur misère, si on peut dire. Alors moi, le peu que je peux sauver, ben, à mon niveau, ça compte quand même. Ça compte. Hein. Pour moi, c'est important. Allez, on continue ici. Hein. Noisette, on y va. Allez, allez. Yeah. Allez, noisette. Des chèvres abandonnées, il y en a plein. Une trentaine dans les parages. Là. Au pic du Vissoul, il y a un troupeau là-bas. Il y a une quinzaine. Hein. Et il y en a Mourez aussi derrière le rocher là. Au barrage aussi, que des chèvres abandonnées. Elles sont devenues sauvages. Hein. Je suis allé avec le troupeau, mais de loin, elles étaient prêtes à charger. Hein. Elles ne voulaient pas nous voir. Hein. Noisette, t'as vu le chien? Hé, hey, Noisette, hé, hey, regarde. Il n'osera pas s'approcher. Je ne veux pas les libérer parce que tantôt, il y en a qui se font tuer quand même, par les chasseurs. Ils prennent ça pour des biches ou ça les tirer dessus. Donc, les lâcher dans la nature tout seul, non. Puis d'abord, là, je ne crois pas qu'elle le voudrait. Ah, elles sont heureuses. Elles sont comme moi, sans livre. Ah. Ils essaient de s'affirmer. Pour tout l'or du monde, je ne repartirai jamais en ville. Hein. Aller au supermarché, aller au cinéma. Le cinéma, je l'ai là, devant les yeux. Anime avec des chèvres, où est-ce que je les mettrai? Ici, je suis bien, ici, tranquille. Je suis libre. Allez! Je retrouve un équilibre. Hein. Okay. C'est pas les animaux, qu'est-ce que je fais? Okay. Je répète pas bien. Alors, ça va? Alors, t'es pas bon pêcheur, hein? Ah, c'est pas l'heure. 3, 6, oui, il en manque une, oui, je peux voler. Ah, ben si, elle est encore trop bas, là. Hop, ne m'emportez pas avec. Hein. Je servirai d'appât. Je vais faire un film, je sais pas. Alors, moi, j'ai le micro, je m'enregistre aussi. Ah, ouais, d'accord. Donc, elle nous entend, on y fait un petit coup. Ouais, ouais, peut-être qu'elle nous entend là, je sais pas. Oui. C'est là ouvert, je sais pas. Quelqu'un m'en a proposé deux aujourd'hui encore. C'est des plus petites, c'est des naines. Enfin, je vais voir. Je vais les appeler quand même. Autant je me laisserai tenter. Ça me perdra.